Vous savez, dans ma vie, j'ai pas vraiment été très chanceux. Quand j'étais plus petit, j'étais souvent l'enfant solitaire. J'étais souvent considéré comme étant l'élève bizarre de la classe, celui qui n'a pas d'amis et qui ne cherche pas à s'en faire. Durant toute la période de ma scolarité, j'ai été seul, non pas par choix, mais parce que j'étais méprisé par les autres, qui me rappelaient à quel point j'étais faible, à quel point la vie pouvait être difficile. J'étais devenu l'attraction principale de toute l'école. Chaque personne avait une façon différente de me faire souffrir. Certains par les mots, d'autres par les poings. Sur le moment, ce qui a suscité en moi l'inquiétude, c'est que les adultes ne faisaient rien pour arrêter cette torture. Parfois, ils regardaient, sans bouger. D'autres fois, ils encourageaient les enfants à élargir cette blessure qui faisait déjà terriblement mal. Et tous les jours, c'était la même chose. On me faisait comprendre que je n'étais rien, que j'étais une personne différente et que je n'avais aucunement ma place dans ce monde. Et lorsque je rentrais, tous les soirs, j'étais au plus mal. Je n'arrivais plus à être productif dans ce que j'aimais faire, ou même dans mes devoirs. Je me rappelle qu'à cause de ça, j'avais une peur bleue de retourner en cours. Alors, chaque matin, je me mettais à pleurer, suppliant ma mère de ne pas aller dans cet endroit injuste, seulement pour une journée. Me voyant dans des états pas possibles, elle ne savait pas quoi faire, et malgré les nombreuses tentatives d'agissement de sa part, elle n'a jamais réussi à m'aider. Elle n'a jamais réussi à me sortir de ce gouffre qui continuait sans cesse de m'aspirer. Ça la rendait malade de savoir que son fils n'était pas heureux, et qu'elle ne pouvait rien y faire, qu'elle était impuissante. Elle s'enfermait pendant des heures et des heures dans sa chambre pour ne pas montrer qu'elle pleurait, pour ne pas montrer qu'elle allait tout aussi mal que moi. Mais lorsque je réussissais quelque chose, elle était tellement heureuse. Elle m'accompagnait partout, et lorsqu'on me demandait si cette dame qui faisait n'importe quoi plus loin était ma mère, je répondais toujours que non, que c'était une vieille folle et qu'il ne fallait pas prêter attention à elle. Le plus beau cadeau que ma mère m'ait donné, c'est d'avoir continué de me soutenir dans tout ce que je faisais. Elle était toujours présente pour moi, malgré son état et tout ce qui se passait. Et mon père, dans toute cette histoire? À quel moment il intervient? Que fait-il pour améliorer la situation? Absolument rien. Il travaillait trop pour prêter attention à ma vie et à celle de ma mère. Son travail lui prenait tout son temps, et il n'arrive même plus à accorder du temps à sa famille. Il faisait comme si tout allait bien, comme si nous vivions dans un monde normal. Il n'a pas imaginé un seul instant que nous étions, nous aussi, des victimes de la société. Il n'a même pas remarqué que tout ceci était en train de tuer ma mère. Elle s'était tellement battue pour moi, pour mon bonheur, qu'un jour elle n'avait plus cette force. Elle était partie. Elle avait rejoint le ciel, sans que je puisse avoir le temps de la remercier, sans que je puisse lui dire au revoir une dernière fois. Et de là où elle était, je l'entendais encore me rappeler ce qu'elle m'avait souvent répété. La plus grande victoire sur le harcèlement moral, c'est de ne pas devenir ce que l'on veut faire de toi. Pendant longtemps, j'en ai beaucoup voulu à mon père qui était resté spectateur tout du long, comme s'il était aveugle. Mais lorsque ma mère nous a quittés, il a commencé à ouvrir les yeux, et a compris à quel point j'avais besoin d'aide, à quel point j'étais en détresse. C'était comme s'il venait de se réveiller, comme si on lui avait retiré ce bandeau sur la tête, et qu'il acceptait enfin de voir la vérité en face. Et bien qu'il ne changeait pas son comportement, j'ai pu remarquer à plusieurs reprises une larme couler sur sa joue. J'ai compris à ce moment-là qu'il était tout aussi mal que moi, mais qu'il n'avait pas l'intention de me le montrer. J'avais comme une impression de déjà-vu, et j'avais peur que tout se termine de la même façon, une seconde fois. Et depuis tous ces événements, il avait décidé de mettre son travail de côté, de sortir plus tôt le soir afin de passer plus de temps avec moi, et de tenter d'être une forme de soutien psychologique, comme l'avait été ma mère avant lui. J'ai dû lui raconter plusieurs fois toute l'histoire, le pourquoi les enfants me persécutaient, et tout ce qu'avait fait ma mère pendant tout ce temps. Et à chaque fois que je lui expliquais, il semblait perdu. Il semblait tomber de tellement haut. C'était comme s'il n'avait pas vécu avec nous durant ces dernières années. Il s'en voulait énormément. Et il s'est excusé tellement de fois que les doigts de mes mains ne suffisaient plus.
En comprenant tout ce qui m'arrivait, il m'a dit des mots qui résonnent encore dans ma tête aujourd'hui. Les personnes handicapées, comme toi, devraient se concentrer sur les choses que leur handicap ne les empêche pas de faire, sans regretter ce dont elles sont incapables. C'est comme ça que tu réussiras à avancer, et c'est comme ça que tu surmonteras les épreuves les plus dures de ta vie. Tu es quelqu'un d'incroyable, et ta différence est ta force. Elle fait de toi ce que tu es aujourd'hui, alors n'écoute pas ce que les autres tentent de te faire comprendre. Ne la rejette pas, accepte-la, car elle est ancrée en toi. L'acceptation de soi est plus difficile que ce que l'on croit, mais c'est la seule chose qui peut nous guérir. Maintenant, la prochaine fois que vous irez insulter le petit souffre-douleur de l'école, du collège, du lycée ou de n'importe quel autre endroit, simplement parce qu'il n'est pas comme vous, soyez intelligent et dites-vous que dans tout ça, vous ne faites pas qu'une seule victime.